Et salut à tous, c'est très cool et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale 500 abonnés. Donc on va commencer déjà par tous vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous fait un grand plaisir. Et donc pour cette vidéo, on va commencer avec un nouveau concept sur FIFA 14, hein, en fait le club pro qu'on a créé il n'y a pas longtemps qui s'appelle FRM KO. Et puis voilà, donc je suis en compagnie de David. Salut tout le monde. En compagnie d'Axel, Salut à tous. de Melvin Salut, salut. et d'un guest spécial, Kevin. Salut à tous. Un guest prestigieux. C'est vrai, voilà. De grande classe, ouais. Donc on peut donner les pseudos, même si pour certains d'entre nous, enfin, ça coule de source, quoi, pour ceux qui nous connaissent. Donc, faut juste dissocier, enfin. Kevin, c'est Abused, donc après nous on a pris nos pseudos de base, à savoir moi French Revolution, David Azakwam, Melvin Mister M, enfin Mister MD23, et Bastien Lord Tu es cool. Donc voilà, donc, on va démarrer ce nouveau concept en espérant qu'il vous plaise. Donc voilà, et capitaine. C'est parti pour la recherche. Oui. Ah donc oui, n'hésitez pas, si vous êtes sur PC, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le club pro, il y a des places, hein, il y a des places, c'est pas ce qui manque. C'est donc clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein. Bon, sur PC bien sûr, donc ça touche pas tout le monde, mais... Et c'est parti. On a déjà trouvé un match magnifique, j'espère que personne va bugger, parce que ça arrive. Ah non, donc, à noter qu'on a déjà fait pas mal de matchs, hein. Ça n'a pas été un franc succès, mais là on joue la montée en division 7 je crois. Hein. Enfin là, le titre même. Le titre, ouais. On va monter assurément, ouais. Vous avez qu'à voir un peu le niveau qu'on a. Ouais. Au début, c'était un peu de mal, là ça commence à être un peu ouais. Mieux. Ouais, bon, on a des spécialistes avec toi et Melvin. Oui. Après, moi j'ai quand même un peu moins l'habitude. David aussi. Oui, nous c'est pas trop. Ouais, mais Kevin c'est déjà un patron lui. Donc, à savoir que ce sera Melvin qui contrôlera toute l'équipe. Hein. Donc, tous les joueurs qui ne sont pas attribués à des humains, c'est lui qui contrôle. Tout à fait. Mais défensif, quand même. Le capitaine c'est Kevin, donc Abused. Ouais, on sait pas trop pourquoi, mais on n'a pas hésité. Bien joué, Mister MD. Est-ce qu'il faut un capitaine pour motiver ses troupes? C'est ouais, ça. C'est un bon gueulard. C'est ça. Donc voilà. Merde. Ouais, je suis ouais, parti côté droit. Vous allez voir qu'il est un peu cheaté, ce perso dans les tricules. Oh la reprise. En fait, on a mis beau. En place une technique. En fait on va centrer pour David qui fait je sais plus combien tu fais en taille. 1m87 maintenant. Voilà, 1m87, donc il prend pas mal de ballons de la tête. Oh, le bloc, il veut jouer. Ouais, j'ai bloqué, j'ai pas hésité là. Et on va essayer de le trouver. C'est les vieux réflexes de PCM ça. Les blocs. Ne parlons pas de choses qui fâchent sur une vidéo. Ouais, Donc voilà, sinon quoi dire, comme tu disais, très cool, franchement, un grand merci à vous. Oui. 500 abonnés, même étant 515 à l'heure actuelle où on fait les vidéos. Franchement, c'est énorme, hein. Ça nous fait vraiment plaisir. Il y a toujours plein de commentaires et tout. Puis, comme je dis souvent, comme on dit souvent, c'est le plaisir de pouvoir aussi vous parler. Bon, pas à tous forcément, mais sur Skype, on parle régulièrement à pas mal de nos abonnés. Franchement, c'est vraiment le pur plaisir, quoi. Voilà, je tenais un peu à signaler. Le redire, oui. Parce que bon, très cool, l'a déjà dit, mais bon, je voulais quand même le redire. Tu dis, ta touche personnelle, t'as bien raison. C'est ça. Non, mais c'est vrai que. Voilà, c'est dans la défense. C'est bien joué, une belle ouverture. Mais je le gardien. C'est bon, on a un très bon gardien. En fait, on se repose beaucoup sur Melvin en défense. Oui, voilà. En fait, on est un peu tous devant. Oui, mais c'est plus pratique comme ça, parce que contrôler un seul perso. Merde. Voilà, magnifique. Azakwam, super, ouais, super passe. Ça, c'est une belle passe. Je pense que les gens seront surpris, agréablement surpris de la qualité de ton jeu. Oh bah, ils comprendront. Oui. Ah oui. Ça se passe. Du niveau là, c'est du beau niveau, c'est bien. C'est un peu chantier là depuis 5 minutes là. Ouais, on va attacher le gardien, pas très sûr. On subit un peu, mais c'est bien. On n'a pas joué depuis quelques jours, hein, faut aussi le noter. Bon, après, c'est pas ça qui explique que, mais on n'a pas joué quand même depuis. On va retrouver nos automatismes. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. D'ici la mi-temps, je pense qu'on sera facile. Moi, je suis pas parti bien loin, mais si vous voulez tout changer, faut pas hésiter. Excellente ouverture. Ouais, c'est là-dessus qu'on reconnaît le grand capitaine. Par contre, c'est bon, ça m'en touche. Bien joué. Ah, je prends pas la balle. Il revient sans la balle, par une heure, et puis il revient sans la balle. Bien joué. Serpent. Peut-être qu'on peut le tirer. Ouais, ah non. Ouais.
Bah ça dépend, c'est toi, Matt. Est-ce qu'on va en envoyer une craquée ou pas? Allez, hésite pas parce que c'est, ça paye rarement une piche nette devant. Sinon tu changes pour trouver cool qui a une bonne puissance de frappe. C'est mieux en frappe. Ouais, là faut pas hésiter. Ouais, mais attends, mais il y a même pas de mur là. On peut pas marquer là. Si, si. Oh, il chie, t'inquiète. Mec, il y a 40 mètres. Au pire, tu envoies le gardien l'arrête et on l'a. C'était beau. C'est dégueulasse. Ouais, la vache, je voulais aller. Ouais, là, bah écoute, c'était tenté, hein. C'est tenté. Bon, attends, les mecs, ils ont fait les chiens, là. C'est bon, bien joué. C'est bon, allez, French Revolution, bats-toi. C'est bon, bien joué. Il y a de belles frappes. Ouais. Ouais, là, c'est vraiment beau ce qu'on vous propose. À droite, à droite, droit, à droite. Non, faut savoir que droite, c'est ma gauche. C'est ce que j'allais dire. Non, mais je voulais à droite à eux, pas pour moi, quoi. Ouais. Droite. Ouais. D'accord. Allez. Ils sont tous seuls, ouais. Ça, c'est un grand capitaine. Petit French Revolution. Ouais, je vais marquer direct. Non, c'est pour David. On va essayer de trouver David, mais on l'a pas trouvé sur les premiers centres. Et il s'est trouvé David. Oh là, dommage. David Mullman. David, c'est dommage. Et j'étais là pour gêner le goal, hein. Ouais, c'était mieux. Corner, ok. Je sais pas d'où oui, il sort. Oui, là, il a fait la parade. Ah, j'ai pas vu. Ok. La parade du smash. Mister MD, il va régaler. Et frappe. Oui, il est beau. Il est beau. Non, c'est ton perso. Ouais. C'est mon perso. MRM, là. En plus, c'est MRM qui marque, donc c'est magnifique. Ah ouais, notez que dans le jeu, donc MRM, c'est Mister N, donc c'est Melvin. Bra, c'est Kevin. Alors, je suis pas très cool, t'as changé, Bastien? J'ai remis très cool, mais c'est vrai que je m'appelle Sirius. Hein. Sirius, ouais. Là, je m'appelle très cool, là, je crois. Bah, moi, à la base, je m'appelais Mercury, mais parce que j'avais fait créer une game face avec la tête de Freddie Mercury, mais le résultat in-game est assez dégueulasse, donc... Malheureusement, ouais. Bah, pareil, en fait, je m'appelais Sirius parce que... J'avais mis la tête de Gary Oldman dans Harry Potter, donc dans The Serious Black, mais le rendu était bien dégueulasse aussi en jeu, donc... Bon, faut... Faut savoir qu'on était assez fiers, mais moi de Mercury, j'étais super fier du résultat dans le... Oh pas putain, merde. Dans la foulée. Ouais. Ah, c'est triste. C'est pas grave. Donc on va continuer, donc c'est vrai que non, ça rendait bien, Le rendu était assez excellent, d'ailleurs je m'étais dit tiens pourquoi pas faire un tuto pour ceux qui connaissent pas ou pour montrer qu'on peut faire des trucs, des choses assez belles. Mais au final le résultat sur FIFA est assez laid, donc merde. Je pensais que c'était à moi de faire engagement et bah, j'ai... Sur l'appli le résultat est pas mal, il est même excellent. Excellent, ouais. Voilà. Mais au niveau de dans le jeu c'est ça a rien à voir, c'est... Ouais c'est clair. Puis avec le corps qui est tout orange, la tête. En fait, Mercury dans le jeu, j'ai l'impression qu'il ressemblait à Grand Corps Malade, donc c'est pour vous dire. Bah oui, avec les il était tout rouge là, les bras et tout. Enfin, oui, ça c'est un bug. Ça ressemblait à rien, ça. Oui, ça c'est un bug, ça c'est pas. Je suis parti. Dans le centre. Moi, je suis parti. Ouais, je suis parti. Pour toi, ça. Ouais, c'est magnifique. Je vais mettre là-bas. Là, je peux te la mettre, Sirius. Est-ce que tu peux? Oula, attention. Ah non. Putain, mais t'es vraiment une grosse merde. Je suis pourri. C'est bien. Merde. Vengeance. Au début, mais après j'étais au centre. J'ai fait le coup. Voilà, aller au bout et centrer. Le petit au bout, tu connais toi. Bah, elle va te faire enculer, hein, Kevin. Mais je parle du tarot, bâtard. Eh oui. Ouais, mais je connais pas ce jeu. Quand le petit va au bout. Il parle de quoi d'un coup? Bah, quand le petit va au bout, pas, quand le. Je des références, je connais pas. Quand le 1, enfin le petit va au bout, ça fait. Ouais. Là, tout... Ouais, d'accord. Vous connaissez pas le tarot. On joue à la belote, moi. Voilà, on joue à la belote, mais un peu de respect. Ouais, la belote, je connais aussi. Moi, je connais aussi la belote. Mais c'est bien le tarot, sympa. Ouais. Bref. Ouais, on est sur tout ça. C'est bizarre qu'on se fait marquer. Tout ça à cause d'une mauvaise passe. Ouais, c'est ça, en fait. on part du... Ouais, c'est ouf. Ça va loin, quand même. Il a pris le pont, hein. Et faute, voilà. Là, sinon, je propose quand même, mine de rien, comme on est sur FIFA, de parler un peu de ce que vous pensez chacun du gameplay de FIFA 14. Ouais. Quand même. Ça change radicalement. On va commencer par. Vas-y, Axel. Ouais, non, mais moi je voulais dire que surtout quand on joue, quand on a l'habitude de jouer en solo, c'est. Moi, ça n'a rien à voir parce que. Ça change radicalement. Faut dire que t'as l'habitude de jouer en solo, tu joues jamais en. Ouais, ça change trop, enfin. Parce qu'autant l'IA il détecte directement ce que toi tu vas faire et jouer contre un perso réel c'est tout l'inverse quoi, donc les mécanismes changent radicalement et le gameplay est totalement différent, ça n'a rien à voir, donc pour s'habituer de ce côté là ça change tout. Après il y a une différence entre FIFA 13 et FIFA 14 que vous serez vous je pense plus susceptible de décrire, Bastien et Melvin, donc je vous laisse la parole. Enfin j'ai juste intervenir avant que l'internet, parce que moi je suis un peu comme toi à la base, j'ai beaucoup en saut, c'est la première fois que j'ai fait 14 aussi en multi. Ouais voilà. Donc voilà. Mais merde. Dommage, pas grave.
Mais c'est vrai, c'est vrai que regarde par exemple les pièges de hors-jeu, tout ça, voilà, l'IA se fait moins avoir, les passes et tout, il intercepte beaucoup plus. Il est beaucoup plus difficile de faire des feintes sur, le, un jeu, sur l'IA que sur un joueur, quoi. Parce que c'est que je me rends compte, moi, que j'ai des habitudes qui sont pas du tout bonnes en multijoueur. Hein. Mais franchement, hein, ça... Parce que bon, après, c'est une question d'habitude, donc je pense, hein, à force de jouer, bon, ça ira. Voilà, bon. Donc là, on se parle aux spécialistes Kevin, Melvin et Bastien. Je suis parti. Ah, mais il y a... Ah, oui, d'accord. Donc, spécialiste, hein. Ah, vas-y, Kevin, ton ressenti, t'avais bien le 13. Non. Ah. Excellent. Bah alors, t'as pas le 13. Non, mais c'est un péché, ça, 13, mais hein. Je l'ai pas. Oui, ouais. Tu l'avais pas en comme ça, quoi. Non, j'y ai pas joué énormément, quoi. Ok, ben. Oulala, ouf, quel sauvetage, ouf, magnifique. Ça, le gardien qui. Visite plus pas. Non, non plus. Ouais, non plus. C'est vrai bon. Qu'en parlant et en réfléchissant à ce qu'on va dire, c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression que c'est. Enfin, c'est pas très beau ce qu'on nous a proposé. Ah bah non, c'est un peu dans tous les sens, quoi. Ouais. C'est souvent comme ça. Bon, je vais quand même parler alors, de mon sentier après, ce sera Melvin. Tout à fait. Alors moi, ayant le 13, c'est vrai qu'il y a le changement. Putain, j'allais faire. Vas-y. Le changement est frappant, enfin, c'est un truc de fou même. Au niveau du gameplay, ça a presque plus rien à voir. On avait l'habitude d'accélérer rapidement, c'est vrai que c'était bien cheaté les accélérations. Et bon là, les joueurs font, on a l'impression qu'ils font 100 kilos des fois, enfin, c'est dur de prendre de la vitesse. Et enfin bon, après c'est vrai qu'au niveau du réalisme des contrôles et tout ça, c'est vrai que bah, c'est plutôt bien foutu. Au niveau des frappes aussi, on voit que ça a évolué, parce que sur le 13, on avait l'habitude de faire souvent un peu les mêmes frappes. Enfin, j'avais l'impression que les frappes puissantes, c'était toujours un peu pareil. Et là, ça a bien évolué. Là, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon, moi, je suis pas encore totalement fan de tout ça. Enfin, surtout au niveau de la lourdeur des joueurs. Enfin, ça, je veux bien, mais ce qui me gêne un peu plus, c'est au niveau des balles lobées. Donc, c'était sur Xbox, sur manette d'Xbox et LBY, je crois. Et ça, c'est vraiment, c'est cheaté à mort, et ça m'agace un petit peu. Moi aussi, parce que quand on découvre le multi et qu'il y a que ça, c'est pas beau. Non, mais je pense que c'est surtout les défenseurs qui réagissent pas bien aux passes d'OB après. Ouais. Mais aussi, les défenseurs sont plus rapides sur les balles en profondeur à terre, ils sont plus rapides. Mais alors, sur les balles en l'air, c'est n'importe quoi. Enfin, ouais, mais c'est surtout, en fait, quand tu veux changer de joueur aussi, ils font n'importe quoi, ils s'arrêtent de... Les défenseurs s'arrêtent, du coup tu prends un retard sur le pad en profondeur On avait le même problème dans le 13, hein, ça faisait souvent ça, c'est pour ça que ça portait tout seul devant. On va tester ça. Et là c'est un peu différent, mais c'est vrai que c'est bon ressemblant aussi. Mais je trouve presque encore pire que sur le 13. Donc, et puis en club pro, on l'a bien vu, c'était encore pire que sur FUT par exemple. Là, en club pro, c'était impressionnant. Parce que les défenseurs sont moins bons, vu qu'on n'a pas des défenseurs réels. Enfin, des joueurs réels. Du coup, c'est vrai que ça donne des choses un petit peu étonnantes. C'est sûr. Il y avait aussi, moi, un des reproches qu'on dit souvent, c'est le fait qu'on puisse pas vraiment construire des actions avec des contrôles qui sont assez pourris quand même des joueurs. Faut quand même, c'est clair. Hein. Ça faillit. Ouais, ça met 7 ans, quoi, enchaîner. Ouais, ça, on a du mal à enchaîner. Bah, un touche du bal, c'est chaud, quoi. Ça se voit de plus en plus réel et c'est pas complètement faux, parce que dans la réalité, c'est vrai que tu prends pas le ballon facilement comme ça. Oui. Ouais, c'est tout le débat qu'on aura après. Ça gâche un peu gênant au niveau du gameplay, quoi. Ça gâche peut-être Le côté fun. Ouais, peut-être les... Melvin, toi, alors, bah, je pense que c'est un peu la même chose que ton ressenti. C'est un peu la même chose que Bastien. En rejouant les... Le hors-jeu, que c'est devenu vraiment n'importe quoi, ça, parce qu'il y a tout le temps hors-jeu. C'est tout le temps, c'est ça. Il n'y a jamais d'avantage. C'est ça que les hors-jeux sur un dégagement de gardien, il y a une fois sur deux, il y a hors-jeu, quoi. Et c'est pareil pour les touches, quoi. Les touches, ils vont chercher la balle, ils reviennent sans la balle, c'est... Ah ouais, ça, c'est pareil. Les trois quarts du temps, ils perdent 20 ans à aller chercher la balle pour finalement revenir les mains. En fait, ça doit revenir un peu au même, en fait. J'ai un peu calculé, parce que d'habitude, ils coupent le jeu, puis ils refont replacer tout le monde et ils mettent le joueur. Voilà. C'est mieux comme ça, mais bon. Mais bon, après, je suis revenir un peu trop même. C'est vrai que c'est un peu agaçant de les voir courir tout le temps comme des ânes. Surtout des fois, ils courent sur eux. Bah, c'est surtout quand ils font un sprint, quoi. Au milieu du terrain, ils font un sprint pour aller chercher la balle, ils reviennent sans rien. C'est vrai. C'est réaliste, quoi. Et derrière, sort de balle. Hein. Ouais, donc. Il y a toujours des bugs. Donc, sinon, bah, Bastien lance un petit peu le entre guillemets débat, voilà, réalisme. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est. Voilà, c'est un petit peu ça, parce que le réalisme ne tue pas un peu FIFA 14, quoi, parce que... Là, ouais, c'est une réponse quoi. Merde, je suis parti où enfin, c'est une réponse qu'on aura dans quelques temps, je pense. Ouais, parce que je pense que c'est surtout une question d'habitude, quoi. Oui, parce que de toute façon, on a toujours tendance un peu à râler, puis après on s'y habitue, mais bon, c'est vrai que là, la différence est tellement énorme que... Ah, c'est quand t'es habitué à un gameplay, changer, c'est un peu...
A savoir que là, la tête, alors, sur le 13, c'est la vitesse, sur le 14, c'est la tête, quoi. C'est la tête, c'est... C'est vrai que les têtes c'est des cheaté. Attaquants, c'est un petit peu beaucoup de... Bah, c'est pareil, c'est les défenseurs, quoi. Ils réagissent pas bien sur corner, ils sont vraiment... On la ramasse, hein. Bien joué. Je suis premier poteau, ouais. Non, mais j'ai pas d'accélération. Je sais pas, tu te bats, c'est bien allé. C'est dommage. N'importe quoi. Je suis mort, moi aussi. Et moi, je dois accélérer dans le vide, je regarde rien, en fait. Ah, moi, ouais, mais je suis placé n'importe quoi. Aussi, là. Ouais, Mister M. Il s'amuse en défense. J'ai Mister M. Tranquillement. Sereinement. Je partais dans l'axe. Moi, je suis limite hors jeu. Eh, mais. Ouais. Oui, puis il y a un petit problème aussi au niveau de. L'arbitrage. Enfin, là, c'est vraiment impressionnant, par contre. C'est au niveau de l'arbitrage. Oh, là, putain. Je comprends absolument rien. En fait, c'est... si ça siffle dans n'importe comment, les pénaux sont. Il y avait quelques soucis les dernières, quand même, au niveau des pénaux, mais là, ça devient ouais, c'est devenu n'importe quoi. Ouais, côté. On va tenter la frappe. Ouais, tente là. Elle est belle. Oh, dommage, bien joué, bien joué. Elle t'est cadrée, ouais. C'est bien. Sérieux, il est cheaté, mon gars. On va noter que mon joueur fait 86 parce que je suis niveau 68 sur. Enfin, d'expérience sur FIFA, donc du coup, j'ai pu acheter pas mal de trucs. Ce qui l'a fait monter à 86, donc c'est un peu cheaté maintenant. Il faut qu'on marque, hein, si on veut gagner. Ouais, faut pour obtenir le titre là-dessus, ouais, il faudrait marquer. Il faudrait, oui. Bah, de toute façon, on est promu, donc ouais, on passera en offensif à la fin. Si on n'y prend pas maintenant. C'est bon. On a un beau gardien. Une bonne défense. Parce qu'un beau gardien de course, ça te pourrissait, en fait. Mais bon, oui. Ouais. Bah, sinon oui, on peut pas dire, enfin, on peut dire non plus, on peut pas dire que c'est, qu'on prend pas de plaisir à jouer, quoi, quand même. Parce que c'est vrai que. Ouais, Révolution, ouais, il fait une tête. Je pense qu'on prendra toujours autant de plaisir à jouer. Voilà. Ouais, mais après, c'est un peu moins fun, je trouve. Ouais, mais bon. Ouais. Bah, après, on verra dans quelques temps. Mais... De toute façon, c'est le même débat pour tous les jeux de ce style, les simulations qui se veulent toujours plus comme PCM. Hein. Après, bon, ça peut être réaliste et fun, mais bon. Ah. Y a des jeux qui arrivent pas tellement. Mmh. Enfin, bon, là, ça reste assez fun, quoi. Oui. Sinon on n'y jouerait pas. Bah là le plus. T'as pas couru toi, Tarlouz ? Honnêtement le plus fun, surtout de se retrouver tous ensemble, de jouer ensemble. Ouais, ouais, hein, c'est ça. Vrai qu'on... Oui, ça c'est cool. Perso j'avais jamais fait vu que bon, j'avais pas l'occasion. Donc je pense que le club pro ça va être sympa ça. Ouais, on espère qu'à vous ça vous plaira également parce que n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ah, il est arrivé, mais pas vu. Et moi je suis aux fraises moi. Mais pareil hein, mais là c'est. Ah, il faut marquer là. Allez, ouais. Ouais, faut pas hésiter. Là c'est bon, c'est l'action là. Là c'est la bonne action. Ah oui. Moi, ouais. Je suis sur limite. Regarde, c'est la bonne action là. Pas grand chose. Bien joué. Moi je suis parti. Dans l'axe, ouais. Comme d'hab, autrefois moi je suis toujours dans l'axe. Ouais. David, tu reposes deuxième. Milieu. Vas-y, David. Ah, Sirius. Dommage. Ouais. Je suis 12 en tête donc c'est tendu. Voilà. Allez, allez. Il reste. Ouais, faut pousser. 10 minutes au compteur. C'est récupéré par David. Passe offensif. Ah ouais. Je suis en ultra déjà là. Ah bon, non, c'est bon, d'accord. Non, on est en ultra là. J'ai pas eu. C'est bon, le goal récupère la contre-attaque. Allez, 5 minutes dans le temps additionnel. C'était pas pour lui. Bah, c'est pas grave. On est parti, vas-y, lance. Bon, David, vas-y, va. Ouais. Redonne-la. Bah, tire. Oui. Oh, dommage. Ouais, mais j'ai un tir dégueulasse. Ah, il est corner. Placé là. Enfin bon. Ouais, j'étais placé, c'est clair. Il y a du monde là. Attends. Je peux pas. Allez, ouais, tout ce peuple. Allez, c'est pour toi. Oui. Oh putain, mais j'ai une tête dégueulasse. Enfin, j'ai une tête dégueulasse. Pas ce compte de fou. Non, mais c'est bon, il y a Melvin. C'est bon, allez, la dernière offensive. Ouais. Ah, on aurait pu marquer là-dessus, putain. La dernière sera pour nous. Je suis pas hors jeu. Non. C'est pas. Bon, je vais centrer là, pas de risque. Ouais. Ouais, bon, allez. C'est pas grave, ouais, il est trop mort, allez. Je vais arriver à centrer là. À centre. Allez, les gars. Oh. Je dors, je passe. T'es hors jeu. Ah là là, dommage. Ah, il est hors jeu, ouais. On va finir sur un match nul. Je crois pas qu'on aura le titre. Il est match nul. Non. Mais il y a un match encore après pour le titre. Ouais, il reste allez, un... dernière action. Ah, c'est peut-être pas fini. Ouais, merde, chou. Lance quelqu'un. Ouais. Ah, dommage, belle frappe. Putain, j'aurais dû annuler. Non, mais c'est une queue là. Ah. Putain, j'aurais annulé. Regarde, l'inverse gagne du temps quand même. Ouais, c'est dire à quel point on fait peur. Ah, et, à quel point voilà. Et la contre-attaque va trop prendre un but sur ça. Non. C'est bon. Ouh. Allez, sur ce beau geste. Défense de Mister M, quoi. Bon, bah, voilà. Détente plus 2, magnifique.
Puissance de frappe plus 1, c'est bien. Bien, 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 bien. C'est bien, les gars. Bon, les notes, on s'en fout. Donc, voilà, tiré tout à l'heure. Hein. On aurait peut-être gagné si j'avais tiré. 7, 7, 6, 1, 5, 10, 6, 52. Il y a beaucoup de choses avec des 6. Oui, ça. Après, j'aurais peut-être dit, si j'avais fait la passe, on aurait gagné, donc voilà. Oui. Exactement. Homme du match, c'est leur gardien, voilà. Qui est un joueur. Enfin, un humain. Il reste un match. Ouais, c'est un joueur. Ouais, c'est un joueur. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous sentez l'âme d'un bon gardien de foot, à venir avec nous. Ah ouais, d'un bon défenseur. Ou un bon défenseur, c'est. Bon, là, oui, bah, même de n'importe quoi, parce que de toute façon, on peut changer les postes, de toute façon. Donc, tout le monde peut jouer n'importe quoi, on tournera de toute façon. Oui. On saura s'adapter. Voilà, bah, donc là, il nous reste 2 points pour le titre, faut qu'on gagne. Voilà, on n'a pas le choix là. On n'a pas le choix. C'est que le titre après, c'est pas non plus. Voilà, mais. Faut qu'on le gagne. Bref, bah est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on monte encore quelque chose? Qu'il faut pas non plus que ça dure 3 plombes, je sais pas, comme vous voulez. Si c'est quelque chose à rajouter. Non, parce que je suis d'accord dans le fait qu'il faut pas que ça dure 3 plombes. Bah, non, moi je pense que c'est bon. Ouais, donc, je pense qu'on montrer si on a le titre ou pas à l'arrivée. Et les meilleurs moments, je sais pas. On pourra faire ça dans une autre vidéo. Ouais, oui, on pourra rajouter à la fin. Si on joue encore un match après. Ouais, mais t'inquiète pas, de toute façon, dans un avenir, on fera ça. Hein. Soit on montrera des résumés, donc des actions des matchs, soit on montrera des matchs en entier, mais on fera pas mal de vidéos, oui. Je pense. Enfin, pas mal. On fera quelques vidéos, enfin, pas mal de vidéos dans notre club pro. Oui, on n'hésitera pas à en faire pas mal. Ouais. Enfin, parce que ça nous plaît. Bon, hein. Donc, bah, les vidéos communes, en plus, c'est ce qui caractérise la scène, c'est ce qui nous caractérise, donc c'est quand même. Oui, bien. Ça. Puis là, pour une fois qu'on peut se réunir tous ensemble sur un jeu, ce qui est assez rare actuellement. Donc là, franchement, ça fait plaisir de voir qu'on est tous là. Et puis avec Kevin, avec Loïc aussi, quand même. Loïc, oui, avec Kevin, je sais pas. Souvent avec nous aussi. Voilà, donc. Et avec notre ami saoudien. Exact, oui. On a un ami saoudien. On a un ami saoudien, celui qui m'a donné. Dante, donc vous avez peut-être dû voir ça dans ma vidéo. C'est notre ami qui m'a donné Dante, très sympathique. Ouais, et qui a de très bonnes stats, hein, parce qu'il a dû faire 2 matchs, 1 but et 1 passe D, enfin bref. C'est ça, il y a un homme du match. Ouais. Ouais. Un joueur de qualité, enfin bref, voilà. Là, je montre. Je vais faire un KO évolué à l'international. Je montre un peu l'équipe, là, donc 82 notes pour Kevin, 80 pour Quam, 82 pour notre ami Mido. French, 78, mais il est arrivé plus tard, donc il n'y a pas de problème. Très cool, 86, c'est la star du club. Mister Home 81 et Unknown Gamer, c'est pareil, c'est Luke A qui lui aussi est arrivé un petit peu plus tard. Donc voilà, donc. Un petit effectif sympathique. Très sympa, franchement, voilà, le nombre de buts, vous voyez, comme marque pas mal aussi. Donc. Puis avec Mister Home, très cool, ou Kevin qui gère l'équipe. Parce que personnellement, moi je l'ai fait une fois, bon, enfin, on était à une mauvaise période, mais bon, moi je suis pas assez bon pour jouer toute l'équipe. J'ai mon joueur, c'est déjà bien, hein, c'est bien. Bah, faut avoir l'habitude. On avait enchaîné 6 défaites, c'était un truc de fou. 6 ou 7 défaites, ouais, c'était assez. C'est une période assez bizarre. C'est assez noir. Ah, c'est noir, non, ouais. Voilà, voilà, donc sinon, voilà. Bah, oui, on va pas s'éterniser non plus. Mais... Voilà. De toute façon, on en reparlera, donc on en fera plein. Donc, Ouais, c'est ça. En tout cas, ce que je veux dire, ça fait en tout cas fortement plaisir de se retrouver pour ce nouveau concept, et du coup. Espérons que ça continue et qu'on en fasse beaucoup, ce genre de vidéo. Et que la division 1 soit à nous. C'est ça. Il va y avoir du boulot, je pense. Je pense aussi, ouais. Bah, en tout cas, je vous dis salut à tous, déjà. J'anticipe le salut de Très Cool, je dis salut à tout le monde. Et encore merci pour les 500 abonnés, merci à vous de nous suivre, ça nous fait super plaisir. Voilà, ciao tout le monde. Écoutez, je vais saluer tout le monde, à part David qui vient de... Et ben salut, Axel. Oui, bah ouais, donc salut à vous et merci. Salut à Melvin. Salut à tous et merci à tous. Et salut à Kevin. Salut et puis merci de me suivre, c'est gentil. Et ben, bah, je vous salue également, puis une nouvelle fois, bah, merci. Et puis bon, on va se retrouver prochainement pour le Club Pro. Et voilà, salut à tous.